on est en train de tout détruire. C'est-à-dire que il faut qu'on se rende compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas foutu si chacun d'entre nous se rend compte qu'on est en train de détruire les conditions de vie sur cette planète. Détruire les forêts, vider les océans, faire en sorte que les sols arrêtent d'être fertiles, dérégler le climat et faire en sorte qu'il fasse de plus en plus chaud, c'est détruire les conditions de vie pour nous, mais aussi pour toutes les autres espèces. Et donc la réaction qu'on peut avoir, vous connaissez ce que je fais, toujours, vous faites des films qui donnent de l'espoir, etc. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser les gens dans une détresse pareille. C'est trop désespérant. Donc, on a besoin de recréer des dynamiques de vie. Et les dynamiques de vie, c'est s'appuyer sur le monde vivant. C'est se dire, on a besoin des arbres, on a besoin des forêts, on a besoin des sols, on a besoin des animaux pour faire repartir le vivant. Et on a besoin de se réconcilier avec eux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'arrêter de croire que ça, ce qu'on voit, le monde vivant qui est sublime, qui est une merveille, on a besoin d'arrêter de croire que ce sont des ressources qu'on peut exploiter sans fin pour faire de la croissance économique. C'est pas ça. En fait, ce sont des merveilles que nous devons défendre et protéger.